Tiens, t'as vu? Oui. Cocon de Montreux les yeux sur un escargot. Je montre. Première fois que je vois ça. Fais les transports en commun. Ah oui. Tu lui fais pas de mal, hein? Tu lui fais attention, hein, parce qu'il a mal. Oui, tu fais attention. Normalement, il n'a pas le droit de sortir, mais j'ai un harnais pour lui faire sortir en laisse quand c'est comme ça. Et comme aujourd'hui on doit faire le ménage, il va y avoir beaucoup de bruit. Il pourra pas se cacher. Du coup, hop, je vais essayer de le sortir pendant que Cyril fait un peu de bruit. Surtout l'aspirateur dans sa pièce, puis je le mettrai dans sa pièce. Pour qu'il soit tranquille, pour qu'on finisse le reste de la maison. Et après, on le lâchera dans la maison. Bon, après un début chaotique, ça a l'air d'aller un peu mieux. Mais il n'a pas l'habitude, hein, de sa collerette.
La laisse, ça va, il est habitué, jeune, mais la collerette, il a du mal. Il veut s'amuser au labyrinthe. Bon, si je reviens un jour. N'importe quoi. On prend une petite pause pendant que Galak dort. On fait des tours. Moi, je tente le raccourci. Joli bateau. Et une course de voile. Après la fin de la collerette, bon, on est au cinquième jour, il est encore sous antibio, mais la plaie est belle, il n'y a plus rien du tout, donc je pense que tu peux aller faire ton petit tour dehors. Tu as le droit de sortir. Allez, attention, c'est parti. Vas-y, tu peux sortir, Kikidou. La liberté. Fait des cœurs.
Bon, on a trouvé quelques petites châtaignes, les premières de l'année. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas encore trop le moment, mais il y en a quand même un petit peu. Si on peut se faire une petite poêlée, ça serait bien.